Lorsqu'il a tourné la comédie Jusqu'ici tout va bien, classe égale à HRLJ, il éloge filait déjà le parfait amour avec sa belle Alizée Guinochet. Cela fait près de 6 ans que le comédien est en couple avec la jolie blonde, créatrice de bijoux de son métier. Une romance au sujet de laquelle l'acteur de 49 ans reste relativement discret. Si ce n'est lorsqu'il s'agit d'assister ensemble au tournoi de Roland-Garros ou à la cérémonie des Césars. Avec un grand-père joaillier et une mère créatrice de bijoux fantaisie, Alizée Guinochet, 35 ans, s'est tout naturellement lancée à son tour dans le domaine. D'abord à New York, puis en France en 2016, en lançant sa marque End Paris. Anna Girardot, Elodie Baucher, Marion Cotillard, Leïla Bekti, Adèle Exarchopoulos. Toutes ont déjà été séduites par ses créations fines et dorées. Avant de se faire un nom en tant que créatrice de bijoux, Alizée Guinochet a d'abord été mannequin. Elle s'est brièvement essayée à la comédie en apparaissant dans le film américain Jewish Connection, sorti en 2010. Puis dans la comédie française Rock'n'Roll, aux côtés de son compagnon Gilles Lellouche, en 2017. Alizée Guinochet et Gilles Lellouche ont pour point commun d'avoir chacun un enfant d'une précédente relation. La créatrice a eu une première vie outre-Atlantique, puisqu'elle a été la fiancée du prestidigitateur et illusionniste américain David Blaine, voire Diaporama. Ensemble, ils ont une fille prénommée Dessa, née en 2011. De son côté, Gilles Lellouche est le papa d'Ava, né en 2009. Qu'il partage avec son ex-compagne Mélanie Doutet. Alors qu'il était en pleine tournée de promotion du film Nous finirons ensemble. En 2019, l'acteur avait brièvement évoqué cette relation amoureuse au détour d'une interview pour Psychologie Magazine. La star nommée au César à plusieurs reprises avait alors confié, arrivé à un certain âge. On est de plus en plus sélectif, comme en amour. On repère, assez vite, ce qui, chez l'autre, va finir par nous agacer. En même temps, je vous dis ça mais je suis retombé amoureux à 40 ans, alors allez savoir. Guillaumet.